Mais qui voilà, qui voilà! Putain! Eh oui, putain, ça fait un moment qu'on l'attend, cette vidéo! Mais comment se fait-il que t'as mis autant de temps pour faire la vidéo alors? Eh bien, c'est très simple, il y a quelques semaines, j'ai acheté ce micro-là. Et en fait, il va pas avec ma caméra. Bah non, parce que le câble de ce micro, il est pas compatible avec le port de ma caméra, donc quand j'ai voulu l'essayer, bah oui, parce que j'ai pas testé avant, hein! Et oui, je fais partie de ces gens qui achètent un produit, qui ne le testent pas du tout quand ils le reçoivent et quand ils en ont vraiment. Vraiment besoin, eh ben il se rend compte qu'il s'est relativement fait violer. Bref, donc ce micro là, hein, bah ça dégage. Et comme je ne peux pas faire la vidéo pour l'instant en l'extérieur, ben je la fais à l'intérieur. Et le sujet d'aujourd'hui va porter sur un truc qui me concerne personnellement. Et oui, comme dit dans l'intitulé du titre, nous allons parler aujourd'hui de la Sainte Armée Suisse. Avant tout, il faut déjà savoir que j'ai fait mon service militaire, que j'ai servi mon pays, ma patrie, que dis-je ? Ma grande famille ! Alors laissez-moi vous introduire à cette vaste blague qu'est l'armée suisse. En premier lieu, tous les Suisses, donc les hommes suisses, hein, doivent faire leur service militaire, c'est obligatoire, et si tu le fais pas, ben tu payes mon cher, et oui tu payes. Ah, et c'est pas tu vas payer genre 20 balles par année, non non, tu vas payer 4 à 5% de ton salaire par année, et tout ça jusqu'à tes 30 piges environ. Ce qui représente approximativement 30 000 balles pour un Suisse moyen, hein. Mais avec 30 000 balles, moi je fais pas ça moi, je vais en vacances, j'achète une nouvelle voiture. On sent un petit peu la douille arriver, hein, la bonne douille, hein. Mais si tu ne veux pas payer cette immonde taxe, ben il va falloir quand même faire ton service militaire, donc c'est là qu'on va rentrer dans le vrai game. Avant de commencer à vous parler de l'armée suisse, il faut déjà connaître un petit peu les bases. Tout d'abord, vous, étranger à la Suisse, vous devez vous poser la question, mais putain, mais pourquoi est-ce que vous avez une armée alors que vous êtes neutre? Eh bien, c'est une armée de défense, mais principalement une armée de milice. Et c'est quoi une armée de milice alors? Ça veut tout simplement dire que c'est monsieur tout le monde, comme vous et moi, hein, qui n'a aucune connaissance de l'armée, qui ne sont pas du tout professionnels dans ce domaine, et ça va donner lieu à quelques surprises, mais ça on va le voir. Au tout début, il y a la fameuse journée d'information que tout le monde connaît, ensuite, il y a 2 jours de sélection qui vont décider où et dans quel domaine tu vas aller, et finalement tu vas rentrer en service militaire quelques mois plus tard, normalement si tout se passe bien. Une fois arrivé à l'armée, tu seras une simple recrue, mais je préfère un autre terme, tu seras une simple petite merde. Pourquoi une simple petite merde? Ben parce que l'armée suisse a oublié que les droits de l'homme existaient certaines fois, tu vois. Alors on va te donner tes affaires, tu vas aller visiter ta chambre, poser ton barda, là, et rencontrer tes camarades. Donc là, pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Le service militaire dure généralement entre 4 et 9 mois. 4 mois pour un service court et 9 mois pour un service long. Personnellement, j'ai eu le service court, et je peux vous dire que c'était largement suffisant, hein. Bilan de la situation, t'as rencontré tes camarades, t'as vu ta chambre, t'as dormi ta première nuit là-bas, là, à l'armée, c'est cool, hein. Eh bien Coco, prépare-toi à 4 longues semaines d'instruction de base où tu vas te faire démolir. Vous voyez, à l'armée, on a généralement des supérieurs, hein. Mais ces supérieurs-là, les sergents, les lieutenants, tout ça, là, hein, bah généralement, ils ont ton âge. Et c'est ça qui est bizarre, en fait, tu vois. C'est que les gars, ils te donnent des ordres, mais ils ont le même âge que toi. Ou même, des fois, ils sont même plus jeunes. Alors moi, j'avais commencé mon service militaire l'année passée, hein, comme ça. Mais dû à un accident de moto, j'ai dû arrêter. Et donc, j'ai recommencé mon service militaire cette année, en janvier. Et c'est là que j'ai vu mes anciens camarades qui étaient en fait devenus mes sergents. Donc là, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que ça va être chiant. Le flicage, j'adore ça. Le flicage, c'est l'équivalent d'une punition disproportionnée, mais de ouf! Genre, je me rappelle une fois, à mon service militaire, on était en retard de 2 secondes. 2 secondes, hein, c'est pas 2 minutes, c'est 2 secondes, hein. Et pour la peine, notre lieutenant nous avait fait ramper dans un champ pendant 1h30 sous la pluie, voilà, comme ça, avec nos vieux habits, là, dégueux. On avait tellement rampé qu'on avait retourné le champ. Tu sais, un peu comme le paysan quand il fait ça pour mettre ses semences, là. Ben, on avait fait pareil. C'était artistique, ouais. Et ce qui est con avec ce genre de conneries, c'est que tu sais pertinemment que c'est de la merde, mais tu le fais quand même à cause de l'effet de groupe. Parce que oui, à l'armée, le conformisme, l'effet de groupe là, comme ça, c'est partout, mais partout et pour tout le monde. Tous les gens que je connais qui ont fait le service militaire se sont tellement pris la tête à l'armée, mais je te jure, ils se sentaient plus aller. Moi le premier, hein. Ah, je vous jure, hein, quand j'étais en service militaire, hein, je croyais que l'armée suisse était la meilleure du monde, hein. Pire que les Navy Seals, on niquait la race à tout le monde. Jusqu'à ce que je finisse et que je me rende compte qu'en fait, on se faisait étaler par n'importe quelle armée du monde en 2 heures. Et 2 heures, ça c'est gentil encore. C'est 2 heures avec une pause déjeuner de 30 minutes, hein. Mais oui, c'est vrai. Quelle langue est-ce qu'on parle à l'armée? Alors, il faut savoir qu'en Suisse, il y a 4 langues principales. Le romanche, l'italien, le français et le suisse-allemand. Généralement, quand on nous donnait un ordre, c'était en suisse-allemand. Et quand quelqu'un comprenait pas et qui demandait « Ouais, écoute, est-ce que tu peux traduire en français, là, hein ?» Parce que... Le gars te répondait « C'est la même chose pour le roman. » En gros, il te demande d'aller te faire foutre avec ta putain de langue et d'apprendre la sienne. Est-ce que c'est pas une mauvaise idée de donner des armes à des civils qui ont jamais tiré de leur vie? Oben wer deckt, oben! Fassig, fassig!
En haut, en bas. Peut-être. Alors, les accidents, il y en a eu beaucoup, hein. Des gens qui se font tirer dessus, des gens qui se tirent sur eux-mêmes. Ah oui, c'était vraiment une connerie, hein. Clairement, on te donne une arme comme ça, t'as jamais tiré, t'es là, putain, j'ai une arme, c'est trop cool. Là, je vous ai parlé des trucs en général, mais c'est vrai que sur la fin, ça se calme. Ça devient un petit peu plus un camp de vacances, un truc du genre quand t'es avec tes potes à la plage, là. C'est un petit peu la même chose. Ah oui, à la fin, tu vas limite compter les nuages tellement que tu te fais chier. Et ensuite, fini. Tu as fini ton service. Tu crois que tu es libre et tout. Mais non, malheureux. Mais non, tu n'es pas libre. Parce que oui, tu vas avoir des cours répètes. Ça veut dire que tu vas aller 4 semaines par année pendant 3 ou 4 ans, comme ça, à l'armée, justement. Et donc, ben, t'es baisé. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, alors? Eh bien, c'est pour calmer un petit peu certains citoyens suisses, là, qui croient que leur armée, c'est la meilleure. Putain, et en plus, il y a tellement d'argent qui se fait injecter dans cette armée de merde. Mais putain, mais donnez-la-moi, l'argent. Moi, je sais quoi en faire, moi. Bref, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné quelques informations sur l'armée suisse, dont celle de ne pas aller à l'armée suisse, justement. En tout cas, j'espère que j'arriverai à faire plus de vidéos prochainement, parce que c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Sur ce, je vous laisse les bichettes et à tutti frutti.